Pour ouvrir officiellement cette cérémonie, accueillons notre maître de cérémonie, Madame Marie-Cécile Guillot, vice-doyenne aux études. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue dans la magnifique salle Pierre-Mercure du Centre Pierre Péladeau. J'aurai l'immense plaisir d'animer cette cérémonie de collation des grades de la Faculté de communication. L'UQAM est heureuse de pouvoir célébrer la réussite de ces personnes diplômées. Cet événement constitue une reconnaissance solennelle du parcours universitaire qui récompense plusieurs années de travail soutenu. Je vous invite à féliciter celles et ceux à qui nous désirons témoigner notre admiration. Je vous prie de vous lever. Mesdames et messieurs, accueillons nos diplômés 2022. C'est quand même émouvant. Accueillons maintenant le cortège d'honneur. Maintenant, vous présenter les membres du cortège. Je vous prierai de réserver vos applaudissements pour la fin. Le vice-recteur à la recherche, à la création, à la diffusion, Christian Agbobli. Le doyen intérimaire de la faculté de communication, Marc Bigrat. Le directeur de l'école des médias, Pierre Barrette. La directrice et les directeurs de programmes de premier cycle, Martin Labbé. Suzanne Lorty, André Mondou, Jean-François Renaud, Patrick White, la personne chargée de cours, Laurence Grondin-Robillard, et le directeur du bureau de recrutement, Dany Mercier.
Je vous invite maintenant à vous asseoir. Mesdames et messieurs, j'invite le vice-recteur à la recherche, à la création, à la diffusion, M. Christian Agbobli, à vous adresser la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le doyen par intérim, Madame la vice-doyenne, chers membres du corps professoral, chers professeurs, chargés de cours, maîtres de langue, chers parents, conjointes, conjoints, chers amis, vous toutes et tous distingués diplômés, je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues ici à l'Université du Québec à Montréal. Permettez-moi de mentionner que nous sommes réunis aujourd'hui sur un territoire ancestral qui a été longtemps un lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien-Kehaka, dont nous souhaitons honorer la mémoire. Dans le même esprit, nous nous engageons à animer et à respecter ce lieu selon les principes d'inclusion, d'ouverture et de dialogue, d'équité envers les premiers peuples, les Inuits et les Métis, et envers tous les groupes qui compose notre société. Quel plaisir de se retrouver ici pour célébrer votre réussite. Chers diplômés, d'emblée, je tiens à souligner les efforts soutenus et la persévérance dont vous avez fait preuve tout au long de votre parcours académique. Aujourd'hui, l'heure est enfin à la fête, donc oserais répéter enfin. Vous voilà diplômés de l'UQAM, qui façonne depuis plus de 50 ans le paysage québécois par ses valeurs d'accessibilité, d'ouverture, de créativité et d'innovation. Une université éco-responsable, avant-gardiste et vibrante, au cœur de la cité et au centre de tout. L'université que vous avez choisie pour assurer votre formation. Vous êtes maintenant fin prêt à relever de nouveaux défis. Le fertile champ des possibles s'étend à vos pieds. C'est à vous de l'arpenter, de le cultiver et de prendre le relais pour bâtir la société de demain. La réussite des études universitaires ne va pas de soi. Cela exige de s'y investir avec passion, détermination et rigueur. Vous avez redoublé d'efforts et multiplié les heures d'études et de travail. Le diplôme que l'UQAM vous décerne aujourd'hui vient couronner cet engagement et tout le chemin parcouru. En choisissant d'étudier à l'UQAM, vous avez évolué au sein d'un des plus importants pôles d'enseignement et de recherche en communication au Canada. Un environnement qui a su encourager votre soif de savoir, votre originalité, votre créativité. Que ce soit en communication sociale et publique, en langue et dans le vaste univers des médias qui nous réunit aujourd'hui, vous avez côtoyé une communauté inventive, inclusive et ouverte sur le monde. Je suis certain que cet héritage sera une inspiration et une impulsion pour la suite, chers diplômés. À l'UQAM, vous avez élargi vos horizons par une somme colossale de connaissances nouvelles, par des expériences intellectuelles, scientifiques ou culturelles exaltantes, par l'acquisition de compétences remarquables. Vous avez fait de belles découvertes et croyez-moi, cette aventure fabuleuse est loin d'être terminée. Vous avez aussi eu le privilège de faire des rencontres déterminantes, développant ainsi un précieux réseau d'amis. J'imagine que vous vous êtes fait des amis pendant votre parcours, de collègues et de mentors. Sachez prendre soin de ce capital social comme d'un trésor, car c'est une véritable richesse. Je vous invite maintenant à prendre un temps d'arrêt pour vous remémorer votre parcours universitaire. Un temps de réflexion pour repenser aux bons moments, mais aussi aux obstacles que vous avez surmontés,
pour obtenir le titre que vous porterez toute votre vie. Cet exploit, il vous appartient. J'en veux pour preuve la fierté des professeurs, des chargés de cours et des employés qui vous ont accompagné et qui peuvent témoigner de votre talent, de votre engagement et de votre persévérance. La fierté aussi de vos proches qui vous ont soutenu et encouragé, d'ailleurs on en voit présents ici aujourd'hui. Plusieurs sont ici avec vous, effectivement, des parents, des conjoints, conjointes, probablement des grands-parents, chers amis aussi. Ce rôle de soutien que vous avez su jouer a été essentiel. Je vous en remercie chaudement. Chers diplômés, à l'UQAM, vous avez appris à analyser, à réfléchir de manière critique, à produire et à partager de nouveaux savoirs. Vous savez innover avec imagination, liberté et discipline. Je ne saurais trop vous encourager à ne jamais oublier ces valeurs si importantes que vous avez eues à l'UQAM. La rigueur, l'audace, l'intégrité, l'engagement, l'excellence. Et j'ajouterai le désir d'agir et la participation citoyenne. Voilà le legs que l'UQAM transmet à ses diplômés depuis plus de 50 ans. Mais pour l'heure, un rituel de passage vous attend, un rituel qui remonte aussi loin qu'à l'époque médiévale, qui a vu la création des premières universités, ces hauts lieux de savoir. Les cérémonies d'attribution d'un titre marquent toujours une étape dans la vie. Les codes ont certes évolué, mais ce rituel continue de symboliser l'émancipation intellectuelle et professionnelle des nouvelles et nouveaux diplômés. Par le port de la toge, symbole de leur caractère officiel, et du mortier, symbole de la science en action. Avec la fin de ce chapitre décisif, vous intégrez un bassin de près de 300 000 diplômés qui évoluent dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Des diplômés qui rayonnent et qui se démarquent au Québec, au Canada et à l'international. L'avenir et le rayonnement de votre alma mater passent par vous. L'UQAM compte donc sur vous pour garder vivants les liens que nous avons créés et pour faire vivre avec fierté cet esprit UQAM. Le bureau des diplômés, la fondation de l'UQAM, offre des formidables occasions en ce sens. D'ailleurs, permettez-moi de prendre un petit moment pour souligner le travail remarquable effectué par la fondation dans le cadre de la campagne majeure qui s'est clôturée tout récemment. En effet, grâce à la générosité des personnes diplômées, plus de 118 millions de dollars ont été récoltés. Une somme impressionnante, en effet, qui permettra de soutenir la relève et de concrétiser d'ambitieux projets pour notre université et pour notre société. Quant à votre avenir, chers diplômés, il vous revient de le construire à la hauteur de votre talent, de l'expertise que vous avez eu à acquérir ici à l'université, de vos rêves et de vos ambitions. Audessas fortuna juva. Chers diplômés de la faculté de communication, je vous félicite chaleureusement, chacune et chacun d'entre vous, et je vous souhaite tout le succès mérité dans la poursuite de vos projets. Je vous remercie. Monsieur Agbobli, je vous remercie. J'invite maintenant Monsieur Brigra, doyen intérimaire de la faculté de communication, à livrer son message aux personnes diplômées. Monsieur le vice-recteur, Madame la vice-doyenne,
Mesdames et messieurs des directions de programme, chères étudiantes, chers étudiants, chers parents, amis, supporters de tous les instants, bienvenue à l'UQAM, bienvenue à la Faculté de communication. Nous vivons tous ensemble aujourd'hui un rituel, un moment solennel. Des rituels solennels, nous n'en avons pas souvent l'occasion, vous et moi, d'y assister. Le rituel comme un ensemble de gestes et de symboles, et surtout dans un contexte d'une célébration publique. Une célébration menée avec éclat est en effet un événement rare. Alors, je vous invite à en profiter, à prendre la mesure du moment important que nous vivons ensemble. Permettez-moi de préciser que le rituel solennel d'aujourd'hui souligne trois ensembles de valeurs. Je vais un peu reprendre ce que le vice-recteur nous disait tout à l'heure. Le premier ensemble de valeurs touche la réussite et la persévérance. Étudiantes, étudiants, permettez-moi de vous féliciter chaleureusement d'avoir persévéré et d'avoir réussi. Quels que soient les chemins de traverse empruntés, du premier au dernier cours, considérez votre diplôme comme le symbole qui atteste de vos capacités de persévérance et de réussite. Vous avez toute mon admiration. Bravo. Deuxième ensemble de valeurs importantes pour notre institution, le partage et la diffusion des savoirs. Le symbole de la remise du diplôme signifie « Vous avez participé à des activités de partage de savoir de la meilleure des qualités ». Et j'ajoute, la remise du diplôme d'aujourd'hui atteste qu'on doit vous considérer dorénavant comme une personne volontaire et capable de partager ses savoirs. Troisième ensemble de valeurs, l'éducation forme, l'éducation informe, mais surtout transforme. Voyez le rituel de la remise du diplôme et les autres gestes symboliques qui seront posés ici, publiquement, comme la célébration de la confiance que l'on vous porte, chers étudiants, chers étudiants. Soyez partie prenante dans le partage des savoirs. Soyez aussi une agente, un agent de changement, de transformation. Je termine ce court discours en remerciant, au nom de la Faculté de communication et de l'UQAM, tous ceux et celles qui ont contribué directement ou indirectement à la formation de nos étudiantes, nos étudiants. Je ne pense pas ici seulement aux personnes, professeurs, maîtresses de langue ou chargées de cours, je pense aussi au personnel de soutien. Merci. J'ai une pensée toute particulière pour les parents, les familles, les amis. Je pense à tous ceux et celles que j'appelle les supporteurs. Ce diplôme est aussi le vôtre, en quelque sorte, si je peux me permettre, étudiants, étudiantes, de partager votre diplôme alors qu'on est sur le point de vous le remettre entre vos mains. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie et en compagnie des vôtres. Toutes mes félicitations. Monsieur Bigras, je vous remercie. Enchaînons maintenant avec le témoignage du diplômé du baccalauréat en journalisme, Monsieur Carrière. C'est le fun, je me sens comme, tu sais, quand tu reçois un trophée, un Oscar, ces cérémonies-là, là, quand tu reçois un diplôme aussi, un diplôme, hein, c'est là qu'on est, c'est là pour ça qu'on est. Un diplôme universitaire, en plus, c'est pas rien. Puis c'est surtout pas rien quand on considère qu'on a passé 2 ans de ce bac-là en pandémie, en confinement. C'était plate, mais on est passé au travers. Je dis ça comme ça, matière à réflexion. Là, j'imagine que c'est le moment où je dois remercier les gens qui ont eu un impact dans l'obtention de ce diplôme. Mais avant, je vais vous parler de moi. Premièrement, parce que c'est ça qu'on m'a demandé de faire. Deuxièmement, parce que j'en vois certaines personnes ici qui ont le regard un peu... C'est qui ce gars-là? Il sort d'où, lui? C'est vrai que j'ai pas fait les jeux de la com. J'ai été dans aucun party de l'association étudiante. J'ai fait mes initiations, sauf que les gens s'en souviennent pas. Fait qu'en gros, je suis qui, moi?
Hein? Moi, je suis quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions dans les dernières années. Des questions comme, est-ce que j'ai envie d'être journaliste vraiment dans ma vie? Est-ce que je suis en train de faire ça pour rien? Puis même aujourd'hui, je suis rendu sur le marché du travail. Je travaille pour TVA à 6 heures de route d'ici de tout ce que j'ai toujours connu. Puis je me pose encore la question, est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que mon bac, je l'ai fait pour rien? Est-ce que j'ai perdu mon temps avec ça? Puis vous savez, la phrase « mon diplôme me sert à rien », je l'ai entendue souvent au cours des dernières années de la part de personnes qui vont obtenir leur diplôme, de la part de personnes qui l'ont déjà obtenu, de la part de gens qui ne sont pas certains d'où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie. Puis c'est vrai, en quelque part, que si tu travailles sur un chantier de construction, bien, peut-être que ta formation en communication ne te sert pas nécessairement à grand-chose. Ça se peut. Mais le temps que tu as passé à l'université durant ton bac, ça, tu ne l'as pas perdu. Puis c'est là-dessus que je veux m'attarder. Parce que dire qu'on a perdu notre temps, c'est dire que si on avait l'occasion de refaire notre choix de domaine d'études, bien, on prendrait une autre branche. Puis ça, c'est complètement ignorer et mettre de côté toutes les belles rencontres qu'on a faites, tous les faux rires qu'on a eus dans les salles de classe. En tout cas, en journalisme, on en a eu. Je ne sais pas c'est comment dans les autres programmes. J'imagine que c'est le fun aussi. C'est mettre de côté les défis relevés aussi, puis tous les projets qu'on a été fiers de réaliser. Vous savez, moi, un peu plus tôt, j'ai commencé en disant « j'ai pas fait grand-chose durant mon bac ». Il y a une chose que j'ai faite, par contre, et ça, c'est participer à fonder le média qui s'appelle le Club École. Et là, je suis désolé pour les gens en journalisme, vous allez encore m'entendre parler du Club École. C'est la dernière fois, je vous le promets. Parce que c'est un projet dont je suis tellement fier, qui m'a permis de rencontrer des gens que je considère aujourd'hui comme des proches amis. Ça m'a permis de tomber en amour avec le domaine des communications. En fait, je vais être bien honnête, c'est ça qui, moi, m'a permis de passer au travers de la pandémie. C'est ça qui m'a permis de vivre 2 ans de temps dans un 5,5 avec 3 personnes qui parlent trop fort. Ils sont juste là, d'ailleurs. Je les salue. Allô? Ça, je dis, ils parlent fort. Mais je vais être honnête avec vous, moi, j'ai été chanceux. Parce que j'ai juste eu à endurer mon père, ma mère et mon frère durant ces 2 années-là. Moi, j'ai pas eu à travailler à temps plein en plus de ça pour payer mon loyer. J'ai pas eu à même travailler 2 jobs pour payer la facture de ma voiture que j'ai besoin pour aller travailler pour me nourrir, pour nourrir mon enfant peut-être. Ça, ce sont des réalités qui ont été vécues par certaines et certains d'entre vous ici dans la salle et d'autres diplômés qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et on est ici quand même. Vous êtes ici quand même. Ça témoigne de cette persévérance-là, de cette ténacité, de votre volonté à continuer malgré tout. Et tous ensemble, on a traversé des épreuves, on en a traversé des moments difficiles, mais on est tous et toutes passés au travers malgré tout, et on est ici aujourd'hui, c'en est la preuve. Alors pour ça, vous avez toute mon admiration, je pense qu'on peut sérieusement, sincèrement se féliciter. Et écoutez, gang, c'est pas compliqué, là, on a traversé une pandémie. Puis je le sais que c'est cliché, puis croyez-moi, je pensais jamais en arriver à un point dans ma vie où je dirais que c'est cliché de parler d'une pandémie, mais c'est ça pareil. Puis on a passé à travers, il y a énormément de positifs là-dedans, et s'il vous plaît, seule chose que je vous demande, c'est de ne jamais vous laisser jeter tout ça aux oubliettes. Donc, je vais terminer comme promis en remerciant les professeurs, direction du programme pour l'encadrement, le rectorat pour l'opportunité, mes co-diplômés pour tout le soutien, les beaux souvenirs, les familles pour toutes, et les personnes aux éclairages aussi de ne pas m'avoir éclairé trop d'en face, ça c'est vraiment très apprécié. Messieurs, dames, mon nom est Yoann Carrière, je vous souhaite une excellente soirée. Bien, Monsieur Carrière, je vous remercie. Chers diplômés, ce sera bientôt le moment de vous accueillir publiquement et officiellement dans la grande famille de près de 300 000 personnes diplômées de l'UQAM. Mais avant d'entamer ce rituel de passage, nous vous offrons une performance musicale digne de cette journée exceptionnelle. Nous vous invitons à découvrir l'étudiante du baccalauréat en musique, Madame Joëlle Vaillancourt,
Elle interprétera la pièce de Max Richer, Berlin by Overnight, suivie d'un extrait de la partita en mi majeur de Jean-Sébastien Bach. Thank you.
remercier à toutes, de remercier chaleureusement Mme Joëlle Vaillancourt et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. Et maintenant, voici le moment que vous attendez avec impatience. Le mot collation provient du latin collatio qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. Vous l'aurez remarqué, les personnes sur scène ont revêtu l'habit traditionnel, perpétuant ainsi ce rituel millénaire qui sanctionne le nouveau statut de la personne diplômée. Dans les prochaines minutes, les nouvelles personnes diplômées seront invitées à défiler sur scène afin de suivre ce rituel d'investiture. Chacune, on entend la relève, chacune et chacun sera accueilli par la direction de son programme d'études ou son représentant, puis par le vice-recteur et le doyen intérimaire, rejoignant ainsi la grande communauté des personnes diplômées de l'UQAM. Débutons dès maintenant avec les personnes diplômées de premier cycle. J'invite le vice-recteur à la recherche, à la création, à la diffusion, ainsi que le doyen intérimaire à prendre place. Chers dignitaires, soyez attentives et attentifs, vous aurez à saluer les personnes diplômées de votre programme. Baccalauréat en communication, stratégie de production culturelle et médiatique. Léonie Bouchard. Marie Boutillette. Laurence Breton-Veillette. Gabrielle Dulude. Gabrielle Dumas. Marie-Ève Forget. Romane Gagnon. Elisabeth Gaulin. Sandrine Janel. Amélie Labrosse. Maïva Lachance-May. Catherine Latourelle. Florence Lorrain. Laurence Meunier.
Anne-Marie Vaillancourt. Étienne Veilleux. Et Ariane Vermersch. Baccalauréat en communication, création média, cinéma. Éloi Barry. Bastien Blanchot. Jérémy Desrochers. Simon Di Genova. Hugo Leblanc. Pascal Lefebvre. Benoît Massé. Ismaël Ouattara. Jérémy Picard. Jérôme Tanguay. Alexia Thomune. Alicia Tremblay. Et Amina Yanouri. Baccalauréat en communication, création média, média interactif. Laura Boisvert. Marianne Bourdage. Caroline Dupré. Jérémy Leclerc.
Antoine Lemieux. Juliette Malo. Alexandre Parizeau. Et Frédéric Tremblay. Baccalauréat en communication, création média, télévision. Frédéric Burry. Judith de Rome. Pierre-Yves Dubois. Nadège Gagné. Annabelle Harris-Genois. Andréane Jaudoin. Amélie Lavergne. Marc-Olivier Maheu. Salès Moussaoui. Michael Pavone. Et Zoé Raymond. Baccalauréat en communication, journalisme. Jade Barry. Joël Baudin-Lavigne. Catherine Bérubé. Johan Carrière. Daphné Chartrand.
Mégane Champagne. Tristan Champagne-Lessard. Caroline Ducharme. Lindy Julien. Mélanie Loubert. Florent Majorana. Jean-Christophe Matt. Pierre-Luc Mongeon. Cheyenne Augoyard. Sarah Ramouni. Lorraine Saussier. Aurélie Savard. Et Manon Touffet. Baccalauréat en communication, médias numériques. Marie-Pierre Archambault. Catherine Audy. Véronique Blais. Kellyanne Charruet. Racha Chowdhury. Maud Clavel. André Condura. Nicolas Daigneault.
Ariane Dufour. Amélie Emmons. Noélie Egnona Blanche. Émilie Galland. Gaspard Jacquet. Bianca Lamarche Bournival. Camilo Meria. Sébastien Poulain. Diana Sawan. Gabriel Soupra. Océane Thériault. Et Ève Thibault. Baccalauréat par cumul de programmes. Raymond de Bisson. Ingrid Chauvin. Manéa Colonna Deleca Christini. On recommence la gang. Manéa Colonna Deleca Christinace. Nancy Ing. Fofana Fatima. Stéphanie Gaudreau.
Marie-Chanel Anard. Yan Hu. Kimberly Tamara Jean-Pierre. Denise Lapointe. Le Trang Hong Thuy. Jimmy Mayou. Cyrine Mansri. Mathilda Maréchaux. Manami Nagasaki. Sarah Negadi. Ouattara Adiatou. Claudia Santibanes. Alireza Jolfay. James Thériault. Marie-Ève Tremblay. Charlotte Vaillancourt. Liana Vu. Tao Vu. Chang Ye. Et Carla Zaouche.
Applaudissons chaleureusement toutes les nouvelles personnes diplômées des baccalauréats de la Faculté de communication. Merci, M. Aboubli. Merci, M. Bigra. Avant que se termine cette cérémonie, je tiens encore une fois à féliciter chaleureusement toutes les personnes diplômées de la Faculté de communication. Permettez-moi également de remercier les dignitaires, ainsi que toutes les artisanes et les artisans de cette cérémonie, dont l'équipe du bureau des diplômés, le personnel de la Faculté de communication, notamment Claude Labrec, ainsi que le service des communications. Un merci tout spécial à M. Alex Verville, diplômé du bac en communication, dont la voix hors champ nous a accompagnés tout au long de cette cérémonie. Dans quelques instants, vous serez conviés à un vin d'honneur dans les espaces du Centre Pierre Péladeau. Un kiosque photo a été installé dans le chapiteau extérieur dans le jardin Sanguiné. Profitez de l'occasion pour immortaliser cet événement et partager ces beaux moments avec le mot-clic UQAM. Un peu de promo. Les photos officielles prises pendant la cérémonie seront en vente en ligne dans quelques heures sur le site web Photograd. Les personnes diplômées ont reçu un coupon de commande afin de pouvoir effectuer leur achat en ligne. Avant de conclure la cérémonie, je vous prierai, chers diplômés, de vous lever et de vous tourner vers vos parents et amis qui vous ont soutenu et encouragé tout au long de votre parcours, en signe de reconnaissance. C'est le contraire. C'est le contraire, c'est en signe de reconnaissance pour leur appui indispensable. Donc j'invite les diplômés à applaudir, donc les parents et amis. Je déclare clos cette cérémonie de collation des grades et j'invite nos nouvelles personnes diplômées à lancer leur mortier.